demander au Seigneur de nous assister, de nous bénir. Nous te rendons toute ta gloire. Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci encore pour cette rencontre. Toi dont l'Éternel est Dieu, le véritable Dieu. Merci pour ta souveraineté, merci pour ton pouvoir. Merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta souveraineté. Nous te rendons la gloire. Amen. Amen. J'ai parlé de l'endettement spirituel ce matin. On peut vivre avec des endettements spirituels parce que nos parents ont fait des choses, c'est-à-dire le fétichisme et la sorcellerie. Les parents font que, à un moment, on peut vivre des endettements spirituels. Les gens peuvent nous réclamer. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons prêché, parlé de ça. Il fallait de toutes ces choses. D'autres sont dans un moment de jeûne et de prière. Ça, c'est intéressant. Il y a des démons, pour les déloger, il faut nécessairement des actions. Le jeûne est un instrument puissant que Dieu utilise pour briser les obstacles. Le jeûne n'apporte pas la bénédiction, au fait. Mais le jeûne vient pour briser les obstacles. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le Matthieu 17, 21, il n'a pas encore mangé pendant combien de jours, lui? Ça fait combien de jours? Cinquième jour. Les démons sont en train de le manifester dans son corps. Venez. Depuis qu'on a prié pour lui, c'est ça, les démons se manifestent. Qu'il était tellement chargé, il avait de forte présence. Il va manger aujourd'hui, mais on va prolonger son séjour encore. Mais regarde, c'est comme à l'hôpital. Tu vas au CHUI, le médecin constate qu'il faut le prolonger. Sinon, sur la même chevelure, le chablac. Maintenant, si les démons là, t'es mort, là, tu peux le maîtriser lui. On ne peut pas le laisser dans ce genre d'état à la partie. Parce qu'il faut que le démon parte. C'est un démon qui a été secoué, il faut qu'il soit chassé. Sors. Quitte sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie dans le nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps. Tu m'attends, c'est un ordre. Tu vas lâcher sa vie au nom de Jésus. Tu vas le libérer. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix à la croix. Lâche. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Lâche-le. Pendant que je prie pour lui, on fait la lecture de Matthieu 17, 21, pour gagner en temps. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Jésus était clair là-dessus. Attendez, on va pousser un peu plus loin la lecture. 21. Voilà. Le verset 19. Écoutez très bien la parole de Dieu. Écoutez très bien. Alors les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus. Oui. On va aller verset 18. Jésus parlait sévèrement aux démons. Un peu de 16, allons vers 16. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit verset 18. Jésus. Allons au verset 18. Jésus. Bon. Qui sortait de lui, et l'enfant fut guéri à l'eux-mêmes. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon, puisqu'on a l'habitude de chasser les démons. Tu as dit, en ton nom, nous allons chasser les démons. Nous avons toutes les techniques. Au nom de Jésus, sort. Le démon n'a pas bougé. Et quand toi tu as parlé, le démon est parti. Et pourquoi? Donne-nous l'explication. Enseigne-nous, Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis. Verset 21.
Mais cette sorte de démon, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par le jeûne. Amen. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas mon nom seulement, mais ce démon-là, il faut jeûner, prier. Donc, il y a des démons pour sortir de vos corps, pour déloger, pour quitter vos vies. Il faut forcément nécessairement jeûner et prier. Amen. Amen. Donc, le jeûne vient briser les obstacles et permet aux démons de se manifester de partir. Parce que vous pouvez être là, puis vivre avec les esprits. Si seulement l'esprit est là, la preuve c'est que quand vous faites des choses qui vont dans le sens de bénédiction, lui il bloque. Vous avez l'impression qu'il y a un regard. Il y a quelque chose qui vous regarde, qui vous suit. Nécessairement, il faut forcément faire une pause et chercher la face de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, quand ça ne va plus, il faut se retirer. Amen. Il faut se retirer, chercher la face de Dieu. C'est ce que le frère a fait. Il vient depuis la France, il est venu de la France, il cherchait la face de Dieu. Dieu, on le cherche, on le trouve. Parce qu'on cherche l'alliance, on cherche Dieu. Si on dit qu'il est quelque part là, il faut aller le chercher. Prouver que tu règles ton problème, et puis c'est fini. Mais on ne vit pas avec ça pour dire non, ça va aller. Qu'est-ce que pour que ça ira? Parce que les démons sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils ne viennent pas dans vos vies pour vous caresser, pour vous jouer à vous. Ils viennent pour vous détruire. C'est les démolisseurs pour vous détruire. Donc s'il y a une présence des ténèbres, il faut régler ce problème. Amen. Amen. Donc il y a des catégories de démons. Il faut nécessairement que ces démons-là partent par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez vous tenir debout. Oui, la prière prophétique, allons-y. Envoie-moi rapidement. Il faut que Dieu nous délivre. Amen. Il faut que Dieu nous délivre pour nous faire entrer dans notre bénédiction. Pour les lâcher. C'est la fin de ce. Le règne du diable en sa vie. Le démon, là, c'est pas. Il va quitter sa vie. Il va partir. Il va quitter sa vie. Tu m'entends? Tu quittes la vie de ce monsieur. Vous allez répéter après lui la prière. Hein? Vous allez répéter après lui cette prière. On y va? J'annule! J'annule! Mettez la main sur vos têtes pendant qu'il parle. J'annule! J'annule! Toute décision! Toute décision! Prise contre moi! Prise contre moi! Depuis le village! Depuis le village! À la sorcière! À la sorcière! Au nom de Jésus! 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 J'annule! J'annule! Toute décision! Toute décision! Prise contre moi! Prise contre moi! Depuis le village! Depuis le village! À la sorcière! À la sorcière! Au nom de Jésus! 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 J'annule toute décision, prise contre moi, depuis le village, par les sorciers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toute décision, prise contre
chute, tombe, dans l'abîme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois gorge, que mes sorciers soient enterrés dans la fosse, qu'ils ont creusé pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois gorge, que mes sorciers soient enterrés dans la fosse. Ils ont creusé pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans cause que mes sorciers soient enterrés dans la fosse qu'ils ont creusé pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans cause que mes sorciers soient enterrés dans la fosse qu'ils ont creusé pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le filet de l'oiseau l'or qui retient mon âme en captif soit agité par un vent violent et me libère maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le filet de l'oiseau l'or qui retient mon âme captif, soit agité, par un vent violent, et me libère, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le filet, de l'oiseau l'or, qui retient mon âme, en captif, soit agité, par un vent violent, et me libère, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le filet de l'oiseau l'or qui retient mon âme en captif soit agité par un vent violent et me libère maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon ange, mon ange, va et communique la décision de Dieu à ceux qui peuvent m'aider en cette année 2015, au nom de Jésus, mon ange, va et communique la décision de Dieu à tous ceux qui peuvent m'aider à cette nouvelle année 2015, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon ange, va et communique la décision de Dieu à tous ceux qui peuvent m'aider cette année 2014, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon ange, va et communique la décision de Dieu à tous ceux qui peuvent m'aider en cette année 2014, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh notre Dieu, le Dieu de délivrance tu es, Seigneur. J'invoque la puissance de Jésus-Christ. J'invoque la puissance de Jésus. Afin de détruire toute présence satanique et démoniaque. Je détruis la présence des ténèbres dans vos vies. J'ordonne au diable de vous lâcher maintenant. C'est un ordre. Le diable vous lâche par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Le diable lâche vos vies maintenant. Je commande aux esprits des ténèbres de vous lâcher. Je vous libère au nom de Jésus-Christ maintenant même. J'ordonne que les ténèbres vous libèrent maintenant. Que la puissance de Dieu vous libère. Je maudis la présence de la maladie dans vos corps. Et je commande aux esprits de vous lâcher. Et maintenant même, c'est un ordre. Je commande aux esprits de vous lâcher. Et maintenant même, c'est un ordre. Je commande aux démons, l'esprit de vous lâcher. J'ordonne à l'esprit de la sorcellerie de vous lâcher. J'ordonne à Dieu, la puissance de Jésus. La puissance. Je libère tout ton être par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je commande aux esprits qui avaient pouvoir autorité sur toi de te lâcher au nom de Jésus. Je commande, ne touche plus à son corps.
donner l'enfant. Parce que celle-là, on utilise son corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Je commande aux esprits de lâcher ta vie. De lâcher ta vie. De lâcher ta vie. Aux esprits de lâcher ta vie. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Je libère ton âme. 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 Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Allez. 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 Non, Jésus. Comment? Au nom de Jésus. Allez. Comment? Au nom de Jésus. Allez. Comment? Parlez. Au nom de Jésus. Allez. Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Vous m'entendez? Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Je vous colle. Au nom de Jésus. Colle, allez. Au nom de Jésus. Colle. Au nom de Jésus. Allez. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la maintenant. Vous m'attendez? Vous êtes là. Lâchez-la. Au nom de Jésus. C'est un ordre.